Salut tout le monde. Bon, on est à Aix-en-Provence. On est avec Yann Lehir, qui a une grosse école d'arts martiaux de Jiu-Jitsu Budo, qui est maintenant affilié Python Academy Gracie Jiu-Jitsu à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. On va voir aujourd'hui une application de Gracie Jiu-Jitsu, les frappes, le Jiu-Jitsu lorsqu'il y a des frappes. On prend une position, la position où dans la garde, où lui il vient attraper notre nuque, ici, et de l'autre, bam, il commence à frapper. Okay. Je vous montre d'abord la technique et après on va la développer. Je vais vous refaire. En réalité, je vais vous l'expliquer maintenant. Olivier ? Il prend un levier derrière la tête pour pouvoir bien le ramener et frapper au niveau de son visage. Tournez un petit peu par là, tu vois. Non, le contraire. Voilà. Qu'est-ce que Olivier va faire? Il va d'abord, attends, regarde un peu en arrière, bloquer avec l'avant-bras pour pouvoir venir mettre son crochet et venir récupérer avec le tibia. Le pied est sur la hanche, et là, regardez bien, il vient de tout bloquer. Comme il avait mis sa main derrière la tête, regardez maintenant ce que ça donne. Il tourne et il monte son genou. Donc en réalité, maintenant, en serrant les genoux, il vient de serrer le haut du corps. Ah, il tape déjà. Deux possibilités maintenant de finalisation. Soit il attrape ses mains et il tire vers l'avant, ou alors sa main l'attrape le coude, il verrouille, il met son autre main sur sa main, et maintenant il pousse vers le bas. Merci Olivier. Donc, c'était une application combat, comment l'utilisation du Jiu-Jitsu lorsque quelqu'un vous attrape derrière la tête et essaye de vous frapper. Merci Yann, j'espère te voir bientôt. Avec...